Justement, donc. Ah, tu l'as pas vu en passant, Daniel? Eh bien voilà. Pas du tout. J'allais dire, juste avant d'enclencher la vidéo, j'étais moustaché. Je sais qu'elle m'avait signalé, mais c'est tout. Ah, ben, il y en a une qui était en travers, le nez dans le muret en béton. Ah zut, je vois, il y a un décalage sur la pendule avec le réel, sur la pendule de la caméra 2 par rapport à le réel. Là, il est 9h54. Ah ben, on dirait que la qualité, c'est plus de ce monde. Ça affiche quoi, là? 9h58 ou 59? J'ai pas mes lunettes, là. 59. Bon, là, c'est caca, là, sur la route, là. Attention, station fréquence pour Dingy 33. Qu'est-ce qui se passe, là, sur la route? Je suis sur la bretelle d'accès, la rocade rive droite. Voilà, en direction du pont d'Aquitaine, et là, on est tous à l'arrière. Juste à la sortie, avant de remonter sur la rocade, en fait, là, il y a une bagnole d'arrêter avec des camions. J'ai pas pu voir ce qui se passe, mais il y a un accrochage. Ah, il y en a qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Je sais pas, moi j'arrive de la 10, moi, de Paris, et là je suis en direction du pont d'Aquitaine, et j'ai vu là, juste dans la bretelle, à la fin de la bretelle, il y a une bagnole d'arrêter avec un camion, avec sa moitié sur la bande d'arrêt d'urgence, mais j'ai pas vu après s'il y avait trop ce qui se passait. Hein. Mais ça bloque juste en fin de bretelle, avant de remonter sur la rocade. Ah, ok, d'accord. Merci la station pour l'info. Et bonne 1351 à toi, la bonne route de la part de Dandy 33. Merci de se renvoyer. Là.
Les 73, je t'entends très QRP, Zulu 33, oui, si j'ai bien entendu. Je suis là sur la bretelle d'accès là, qui enjambe la route qui arrive de Paris là, vers le pont d'Aquitaine. Voilà, j'essaie de passer par-dessus. Quoique, et là où je suis pas mal. Hein. Je suis sur un point haut, là, ça doit passer. Là. Ouais, ça passe, et tu m'arrives, moi je suis à Malsain, ça, au niveau des grands silos, là, et tu m'arrives plein pour les gamelles. Hein, mais moi je vais pas tarder à t'arriver plein pour les gamelles parce que je vais me rapprocher de toi, je vais dans mon jambé, moi aussi, pendant qu'il t'aime. Ok, Santiago 7, j'ai regardé. Ah tiens, devant moi, là, je vois un mille pattes. C'est quoi cette antenne? On dirait une antenne de CB, mais elle est trop courte, à mon goût. Quoique, non, elle doit faire quoi, 90 cm? Ouais, pas plus. C'est pas vrai, on était tranquille, le revoilà. Non, mais moi, c'est normal. Il est là Ok Zulu, ok François double 3, ouais affirmatif. Non c'est pas toi le mini-pat cabine bleue avec l'antenne là qui est en déport là. Putain c'est quoi ces rétro de merde? Hachi 3 coups. Non c'est les nouveaux rétro caméras. Hein. Non, vu le signal c'est pas toi. Hein. Tu m'aurais fait faire deux ou trois fois le tour de l'aiguille. Ah oui je vois l'accident. D'accord. Oh ben ça, à tous les coups, tu vois, là, comme c'est là, ça collait au cul, l'autre était au téléphone, et ben voilà. Voilà comment on se gâche une journée. Ah oui, puis apparemment, il y a eu un départ de feu dessus, quoi. Alors c'est sur la bretelle d'accès de la rocade rive droite pour aller vers le pont d'Aquitaine. Donc avant d'arriver là aux entrepôts de la cube, là où il y avait autrefois la gendarmerie. Ah ok, ouais, bon moi ça me concerne pas, je vais arriver par la sortie de ça. Bon, les bons chiffres également à la station de Dandy 33, voilà en bouche en direction du pont d'Aquitaine. Non, tous ceux qui arrivent de Bassins ou qui arrivent du nord sont pas concernés. Hein, c'est vraiment sur la bretelle d'accès. Hein. Donc pour ceux qui arrivent du nord, s'ils jettent un coup d'œil rapide là, sur la droite là, par rapport à cette bretelle d'accès, là ils arriveront à le voir, mais bon, ça sera ça gêne rien. Hein. Ça m'emmerde pas, c'est très bien. Non, ça, vous avez été deux à parler. ça n'emmerde personne. Et là, voilà, je suis en train d'arriver là sur le pont d'Aquitaine. Bon, dans le sens de la montée, il y a du monde, mais c'est tout cuireau. Dans le sens de la descente, eh bien, il n'y a pas grand monde. Quoique, il est quasiment 10h. Donc c'est à cette heure-ci, ouais, tout le monde est au boulot déjà. Quoi. Et pour les autres, pour les retraités, hachis, ils sont déjà en train de faire leurs courses. C'est pour ça que t'arrives si fort, je suis juste derrière toi. Si je te double, je te pique ton rétroviseur gauche. 22. C'est toi la cabine blanche que je vois derrière? Non, moi j'ai une cabine bleue. Et l'autre jour, c'est quand? Je sais plus. J'ai été voir ton collègue à La Brède. Oui, Daniel, ok. Je l'ai eu justement à la CB là, ces jours-ci, là, un matin. Quoi. Et il est. Ah ben, ça doit être le même jour. Peut-être, ouais. Il m'a interpellé parce qu'il a vu l'antenne derrière la cabine. Et donc, on a discuté un peu. Et puis, quand j'ai vu ton QRL, j'ai dit oh, mais je le connais. Ah bon, il m'a dit mais c'est mon collègue. Ben, j'ai dit écoute, on discute fréquemment à la CB. Et d'accord, il m'a dit impeccable. Voilà, c'est ça. C'est pas toi qui l'a donné une de mes cartes de visite? Affirmatif. C'est pour ça que j'ai reconnu tout de suite ton indicatif et j'ai dit que je connaissais. C'est pour ça qu'après, on a discuté un petit peu avec ton collègue. Oui, c'est moi qui l'a donné la carte. T'as, je lui ai filé une pleine boîte. J'en ai encore une autre. Oui, je l'aperçois sur la plage arrière. J'en ai filé une pleine boîte, justement, là, de QSL. Lui, il a plus de chance que moi à ce niveau-là, au niveau boulot. Pourtant, on fait la même chose. Hein. Mais bon, pas dans les mêmes endroits. Et du coup, bah oui, bah, Marc, je suis en train de dire ça, mais moi, je suis plutôt la nuit. La nuit, il n'y a pas grand monde.
Et attends, que je fasse pas de conneries. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai une voiture derrière moi qui a voulu accélérer pile là où il y a le radar en bas. Je me suis rabattu un peu devant son nez. Quoi. Ouais, apparemment, ça a l'air de rocher devant au niveau de la zone de rouge. Quelle pipelette. Il est là. Ah, c'est le fameux rétrécissement de 3 voies en 2 voies. Quoi. Donc, t'es devant moi. Non, je suis derrière toi, mais j'ai roues allumées. Oui, la station pour le 19, je suis en 1351 de Dundee 33 à la hauteur d'Ikea. Voilà, en train d'arriver sur le lac. Ah, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit derrière, quel pipette. Tout le monde là, de Barracuda 56. Barracuda 56, le voilà, il est là. Les 73-51, Barracuda 56, je suis justement là sur la rocade. Et à la hauteur, je suis en train de passer sous le lac, j'ai le parc des dispositions là sur ma droite. Allez, bonjour, lundi, et aux autres stations. Là, je suis sur la 63 en direction de Cestas. Ok, d'accord, t'es donc de l'autre côté, quoi. Voilà, il y a tout le monde là ce matin là en fréquence. La station là qui a dit là, pour le canal 19. Donc il y a Barracuda 56, il y a Zulu 33, il y a que ça freine devant moi effectivement là sur dans le bout du lac. Je dois pas être loin. Oui, voilà, j'aperçois le panneau de rétrécissement en 2 voies, donc ouais, c'est normal. Ouais, la station, il y a du monde. Il suffit de prendre le micro. La station de François double 3. Ok, François double 3. Eh bien, il y a du monde. Comme quoi, il suffit de prendre le micro pour que ça suive. Mais bien sûr, j'arrête pas de lire. Montez la civi dans les camions et dans les voitures. Montez la civi. Ah, ça tombe bien, pour moi, je suis en voiture. Ben oui, je sais. Mais moi aussi, dans mes véhicules perso, pareil, il y a la CB. Action vélo, je l'ai pas mis parce que je savais pas où mettre l'antenne. Oh, si tu cherches bien, t'arriveras à trouver. Non. Ok, là, tu m'as piqué un petit jeu, là. C'est quoi comme véhicule? Sur 1000 pattes, la montée de bassin, ça coince un peu, d'ailleurs. Je sais pas ce qui se passe, hein. C'est un peu le bordel. 73, François double 3 de Zulu double 3. Je t'entends petit, mais il n'y a pas de problème, tout ça renvoyé. Je t'entends tout petit, QTH, contournement du parc des expos pour éviter les bouchons à la rocade. Ok, ben 73, moi je descends à la zone de brousse. Ok, ben on va pas être loin l'un de l'autre parce que je vais juste derrière. Suzuki de Loulou, qui t'en fait là? Donc déjà, apparemment, on fait le même taf. Il y a Loulou qui lance appel aussi derrière. Ouais, il y a Nounours qui t'appelle. Ah, d'accord, ok, Nounours, les 73-51 de Dundee 33, voilà. Au niveau du rétrécissement, là, sur la rocade, je dois pas être loin, ouais, à côté de la sortie Bankford. Voilà, je suis dans ces coins-là, là, en push. À l'aéroport? Ah ben putain, vu le lieu, ça passe mal. Oh, je déconne. Bon, c'est vrai que c'est pas épais. Hein. Mais bon, ça va, j'ai pas trop de QRN de mon côté. Là, je t'entends. Ben justement, je prends un peu cette direction. Là, je prends quoi? La sortie où il y a le Buffalo Grill. La sortie 11A, je crois. Ouais, faut que j'aille voir le patron. j'ai 6 radios là avec moi là dans le push. On en a eu besoin il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai la valise RTL avec 4 petites radios dedans. Là, il faut que je les rende et puis en même temps là, j'ai en profité pour voir d'autres trucs. Affirmative, je t'entends, la station est 73-51, voilà, du matin. Oui, pourquoi je dis moi. Si, on est le matin. Et l'autre station,
Ah, c'est très petit de mon côté, là, c'est un petit peu compliqué. La modulation ressemble à... ah ben ça y est, j'ai le nom sur le bout de la langue. Donc j'ai le numéro de téléphone là, sur moi. Ah bah zut, zut, que j'ai oublié justement, c'est ce que je disais avec Daniel il n'y a pas longtemps, que j'ai oublié de complètement zapper, là, de rappeler au téléphone. Ah bah zut, ah bah je sais plus. Non bah ça ne veut pas revenir. Tu l'as bouffé ? Ouais, il ne s'agit pas de la même personne. Ouais, un petit déjeuner à chaque fois, là, tous les matins. Ouais, tiens, j'arrive à la sortie de Bruges, 6. Ah, je vais pas tarder à enjamber le pont d'Aquitaine. Dès que le feu sera ouvert, on va passer par-dessus le pont d'Aquitaine. Ah, je vais traverser, Putain, il y a quelqu'un qui bouffe la réception là dans le coin là. Tu peux me dire si le magasin est ouvert, Martin? Merci. Ok, voilà, c'est revenu. Ah, SAV Radio 33, je pense. Est-ce que j'ai son téléphone justement là, ici? Ah zut, j'ai plus de carte. Zut. J'ai plus de carte de visite. Ouais, il faudra que j'aille le voir. Oui. Ah, je te remercie, je vais voir. Ouais, ok, ça marche. Ben normalement, à quoi que c'est vrai qu'il peut. T'as raison de poser la question parce qu'il peut être en chantier aussi. On sait jamais. Je l'ai son numéro sur ta carte, Dundee, mais elle n'est pas à portée de main, autrement je te l'aurais donné. Ouais, parce que justement, il y a une station qui demande si le SAV Radio 33 là-bas à Martignas est ouvert. Non, mais il faut qu'il aille directement sur Internet. Il va tomber directement sur le site Internet. Et normalement, ouais, affirmatif. Vaut mieux lui téléphoner directement, c'est mieux. Parce que c'est vrai qu'il lui arrive d'être en chantier. Et bon, bah, du coup, dans ces cas-là, il est pas au magasin, quoi. Il a une page sympa d'ailleurs avec du matériel d'occasion et tout bazar. Ouais, non, c'est bien fait. Son site, il est pas mal fait. Ouais, tu tapes SAV Radio 33 ou alors tu vas sur le forum La Planète Sibi Francophone, rubrique les boutiques. Et tu l'as aussi de ce côté-là. Ah zut, là je l'ai complètement perdu là où je suis. Moi j'entends là, il a dit ça y est, j'ai trouvé, là. Merci beaucoup. Ok, merci pour le QSP, c'est super. Et t'imagines, je me dis, tout à l'heure t'as vu l'accident et la D2 vient juste de s'y rendre sur le lieu de l'accident. Ah ouais, parce que bon, déjà, ça avait l'air de faire un petit moment que c'était fait, puisque bon, apparemment, là, j'ai vu un chauffeur, justement, là, qui avait un extincteur à la main, donc ça faisait bien quelques minutes, là, que c'était déjà fait. Là, je suis à la hauteur de la sortie, qu'est-ce que j'ai vu, sortie 8, je crois. Bon, j'avance doucement, hein, en plus, là, je suis en plein sur la zone de chantier. Le Verdon, voilà, ouais, c'est ça, sorti vite le Verdon. On papote pas mal, et ben oui, tiens, c'est 10h10, 10h11. Ah putain, ouais, les mecs, ils sont pas pressés, sans déconner. Laisse-moi deviner, ils sont 5 ou 6, il n'y en a qu'un seul qui bosse. Oh bah, comme d'habitude, ça fonctionne, là. Ah, je suis trois coups. Putain, hey, je viens de voir à l'instant, là, justement, là, sur le terre-plein central, le béton, là, qu'ils ont mis au milieu, là, sur la rocade.
Putain, il y en a qui a déposé un matelas là. Putain, c'est pas le meilleur endroit pour se coucher, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens une fois là, j'ai passé du côté de... Ah, en bas de la côte des quatre pavillons. Oui, c'est ça, oui. En bas. Justement, on a joué la DDE qui était sur la gauche. Ah, ils étaient 5. Ouais, mais il n'y en a qu'un seul qui bossait, quoi. Les autres, ils étaient autour en train de regarder faire. Ah. Alors ben c'est vrai que t'as raison de c'est bien le système français ça. Tu as t'as une équipe de chefs qui est là, un travailleur. Ils n'arrivent pas à trouver comment faire avancer le boulot. Résultat, ils embauchent davantage de chefs. Attention, Barracuda 56. Oui, Barracuda 56. Tiens, j'arrive à la hauteur des stations totales, là, sur la rocade, à la hauteur juste avant la sortie 10. Ouais, bah là, j'arrive à ces stades, là, c'est mon client, là. Ok, comment vas-tu Barracuda? T'arrives du nord là, ça va, il n'y a pas trop de neige là-haut? Blanche. Ouais, là j'arrive de Paris, moi, je reviens de Paris là. Ok, ça va, t'as pas eu besoin de mettre les chaînes là-haut? Ah, j'ai failli mettre les chaînes en Allemagne. Je cherchais ça derrière la prochaine. Ah, quelle idée aussi d'aller cavaler là-haut, ouais. Moi, j'appuie ça. C'est clair, moi qui veux plus sur la mer, voilà, on t'envoie quand même. Bah, sinon, ça passe bien, hein, du côté des stats, Radio 5, Signal 2-9. Ok, ouais, bon, maintenant, faut voir aussi le matériel dans la voiture et puis l'antenne aussi, hein. Ouais, c'est surtout le mirror, hein, qui fait tout, quoi. Oui, comment t'as-tu dominé? Ah, puis c'est vrai que j'en suis content de la Wilson 5000 aussi, hein. Voilà, je suis en train de sortir, là, au Buffalo Grill, là, sortie 11A. Ok, ben moi c'est pareil. Là je suis bientôt rendu là, sur le QTH. Donc les 73-51 tous. Voilà, de la part de Dindy 33. Et ben si c'est pas à tout à l'heure, à tout à l'heure. Allez, bon, chier, pas tout le temps, je suis dans le coin. On va dire toute la journée. Allez, bon, chier. Ok, ah, puis là, attends, surprise du matin. Ouais, j'ai un sens interdit juste devant moi. Putain, mais par où je vais passer, moi? Ah, c'est pas cool, ça. Putain, je sais même pas comment attraper la zone. Bon, ben, c'est pas grave. Ah, si, ça y est. Ok, trouvé. À plus. Je suis pas sûr de voir. Non, j'ai pas trouvé. Non. Non, je suis pas au bon endroit. Allez, demi-tour. Ah, il m'a semblé entendre quelqu'un là dans le lointain. Et 73-51 à la station de la part de Dindy 33. Actuellement, là, je suis en plein dans un quartier, là, du côté des Aubiers, hein, là, à bord de Nord. C'est pas évident, là. J'ai pas choisi le meilleur endroit pour m'arrêter, là. J'ai du QRM en pagaille de ce côté-ci.
Ah, il y a quelqu'un. Bon, j'entends gazouiller, mais bon, désolé, la station de mon côté, mais... peut-être tout à l'heure, là, quand je vais retourner, là, je dois aller ailleurs. Hein. Donc, peut-être à tout à l'heure là-dessus. Mais c'est qui sont? J'ai un truc qui m'a moustaché. Voilà. Merci, toi aussi. Merci. Oh, mais ils sont pas loin. En plein quartier comme ça, c'est vrai que... Ah, pour ceux qui connaissent, c'est la résidence du lac qui est à côté des Aubiers. Autrement dit, le Lauzin. Là je me suis arrêté là, pour casser la croûte on va dire dans la voiture car je voudrais aller voir quelqu'un là, après là. Voilà, donc retour après sur le pont d'Aquitaine et on verra bien. Voilà, la pendule de la caméra 2 est remise à l'heure. Je suis trop con. Ah, il m'a semblé entendre quelqu'un dans le lointain. Ah, il m'a semblé entendre quelqu'un dans le lointain, les 73-51 à la station de Dundee 33. Apparemment ça passe pas. Attention, Vega 33 pour Dundee 33 qui t'appelle depuis bord de lac. Attention, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle depuis le haut du pont d'Aquitaine. Oh, comme celle-là, t'as repris la route et tu dois être très loin, je t'entends plus. Ah bah zut, il y a juste une glace qui repasse à nouveau dedans. J'étais sur le pont d'Aquitaine, tu m'étonnes. Ok, Lucky 33. Ah ben tiens, je m'en vais faire un petit tour du côté d'une certaine boutique. Hachi, j'aide que je ne dise pas à l'envers. Help Win PC. Voilà, je vais faire un petit tour de ce côté-là, la carte blanc. Ok, d'accord. Bon, j'ai un peu de QRM, mais j'ai pas tout eu Roger, mais bon, je t'ai compris. Je t'ai quand même compris. Ben, 73 de la station. Ben oui, t'es pas loin, toi. T'es pas tout au-dessus de Dundee. Oui, voilà, j'arrive sur le rond-point de Ricard. Ok, Lolo. Ouais, Dundee, il y a Lolo qui est juste à côté de moi. Là. Ah ben tu m'étonnes. Ouais, je disais, là, je viens d'arriver là au rond-point de Ricard. Je vais attraper direction Carbon Blanc Centre. Ok, mais tu transmets mes amitiés à Halloween, voilà. Il va gueuler contre moi, parce que je suis encore debout, le Dundee. Voilà, mais tu m'étonnes. C'est 73 de la station rouge et jaune. Ok, ouais. Non, aujourd'hui, je suis en repos. Alors, et puis j'en avais marre de rester au QRA, du coup, oh, je me suis dit là, ça tombe bien, j'ai des trucs à faire. Attends, que je me trompe pas de route. Ah oui, d'accord, ok, voilà, c'est là qu'il faut que je prenne. D'accord, ok, ça y est, c'est bon. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas passé là par ici. Voilà, je suis à côté du rond-point de Ricard, là, pour attraper Carbon Blanc. Ah, Barracuda, ouais, je suis en haut de la côte de la GT, là, je suis pas loin du pont d'Aquitaine. Là, je vais faire une petite balade, là, du côté de Carbon Blanc. Je te croyais reparti, Barracuda. Ah, non, ça,
tu vas sur Bordeaux et puis moi je vais de côté de Libourne, comme quoi. Ah oui, d'accord. Ah, je suis trois coups. Oh, ben là, de toute façon, là, une fois que j'aurai vu ce que je voulais voir, là, sur Cabon Blanc, là, je m'en vais à PC Win, ou Win PC, je sais plus. Là, il fait de la CB en même temps. Voilà, il a un rayon CB. Donc, je m'en vais me balader, là, de ce côté-là, puis après, je rentre. Ok, putain, il y a deux CQRM par ici. Hey, y a personne qui fait le ménage de temps en temps là ici, là, au secours. Ouais, bah les bons chiffres aussi, là, si on tombe derrière. Ah, ça passe. Non, il n'a pas ça. Putain, pourtant, il me fait de l'œil celui-là. Ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Il y a même des deux yeux. Quoi. Non, là, je n'ai pas les moyens. Là. Je ne suis pas aussi juste que toi. Moi. Non, je vais voir si des fois il n'aurait pas des petites étiquettes ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'écriture. J'ai les lettres sur mon PC là, qui s'effacent. Alors je sais qu'il existe des étiquettes là, autocollantes là, pour ça. Attends, je sais même plus par où aller. Quoi. Putain, il est où déjà lui? Je sais plus par où passer. Quoi. Putain, j'ai l'air con. Quoi. Et comme j'ai pas envie de mettre le GPS, bon, c'est pas grave, ça va me balader. Vraiment dans la merde. Oui, non mais attends, j'ai tout un paquet de cartes de visite, il y a son adresse dessus. Hein. Je peux mettre le GPS et puis aller hop. Hein. Donc là, je veux bien voir. Je préfère me passer du GPS, mais bon, si ça le fait pas, ben ça le fera autrement. Hein. Je vais où? J'en sais de rien où je vais, moi. Bon, je crois qu'il va falloir que je mette le GPS parce que j'ai l'air con, là. Ouais, faut lancer un appel. Samedi 33 a besoin d'un radio-village. Voilà, ça c'est fait. Non, mais là, je suis pas du tout là où je devrais être. Non, je suis censé. Je suis censé longer la voie rapide. Et là, je suis parti complètement à l'intérieur. Ouais, il faut que je fasse demi-tour. Oui, SOS, radio guidage pour Dundee 33, s'il vous plaît. Sauf que là, je suis parti dans le bas, je suis passé devant une école, je ne saurais pas te dire dans quelle rue je suis. Alors, il y a quoi là? C'est quoi ça? Maison de la petite enfance. Bon, ben voilà. Ouais, là, je suis en train de revenir sur mes pas. Là. Ils ont même un château d'eau ici, putain la vache, il y a une secrétaille de con. Au secours les QRM. Ouais bon, je suis au pied du château d'eau. Ouais, je reviens encore sur mes pas parce que j'ai dû louper quelque chose à un endroit. Ah voilà, j'arrive à la sortie caillou là. Ok. Alors, ouais, voilà, je viens de voir un car passer. Je vois pas mal de voitures, ça. Donc j'imagine que
La voie rapide ne doit pas être loin. J'arrive sur un rond-point avec un portail au milieu. Oh oui, ça me parle. Bon, le radio guidage, il est super, il me rend bien service. D'accord, ok. Alors, au rond-point, le monsieur l'avait dit à droite tout à l'heure. Voilà, ok. Là, je crois que ce coup-ci, je suis dans la bonne direction. Puis t'as vu les QM que je m'attrape à ça? Oui, je suis dans la bonne direction. Oh, ouais, j'aperçois une église. Ça me parle. Bon, l'église en elle-même, mais pour la direction à prendre, ouais, ça me parle. Je suis en plein centre. Oui. Je suis dans le centre. Alors on va dire que ça va être en face. Ouais. Je sais plus. Alors je suis au feu de l'église. Oh, à tous les coups, c'est la route transversale qui est en face de moi. Il faut que je prenne à gauche. Et il doit y avoir un petit supermarché là plus loin sur la droite, et donc lui en face du supermarché. PC Win, je viens de passer juste devant. Ah, super, le camping qui est installé juste en face là au supermarché. Ouais, génial. Bon, alors de mon côté, là, j'ai 3 tonnes de QRM. Barracuda 56, si tu m'entends, je suis rendu. Voilà, je suis juste en face de PC Win. Non, LP Win PC. Voilà, qui a un petit rayon là, en même temps là, que CB. Donc, à tout à l'heure. C'est en train d'ouvrir. Ouais, j'étais un peu en avance. Il me regarde, il se pose des questions. Ah, ça interpelle. Ça interpelle. Oui, j'arrive. Je crois que je suis grillé. Bon, en tout cas, il y a des endroits comme ça où vous ne pouvez pas habiter, vu le QRM. Il est quoi? Il est 13h55. Je vais attendre encore un peu. En tout cas, l'antenne de CB sur la voiture est repérée. Je sors de chez lui, de chez LPPC, la carte de visite. Voilà. Alors, je viens de passer 2 heures à papoter. Autant dire que l'OM est plus héros. C'est là, il n'y a pas photo. Allez-y, monsieur l'homme. Voilà, à droite, le magasin. T'as 6 degrés, il fait, c'est tout. Waouh, le 4x4 qui vient de passer.
Alors le pick-up à gauche et les frontards, si on doit le voir dans la vidéo, certainement un pick-up blanc avec l'antenne de CB dessus. Bon, par contre ici, effectivement pour la CB, c'est pas ça, vu les QRM qu'il y a. Bon ben, maintenant je vais rentrer au QRA, bien tranquillement. Je sais pas si j'aurai Barracuda 56 en fréquence, on verra bien. Donc ouais, je crois que c'est par ici que je suis pas arrivé par là tout à l'heure. Et il me semble que pour repartir c'est par là. Et le GPS, non, j'ai pas envie de le mettre. Attention Barracuda 56, c'est pour Dundee 33 qui t'appelle. Bon, si tu es derrière, tu dois être trop loin. J'ai trop de QRM de mon côté encore. Là, je suis encore là sur Carbon Blanc. Hein. Là, j'ai repris la route. Ah, ben là, on voit la différence déjà au niveau QRM. Ok. La voie rapide sur ma gauche, je suis dans la bonne direction, et voilà, pas besoin de GPS. Ouais, j'ai entendu quelqu'un là, ouais, la station, je vais encore un peu de QRM de mon côté. Ah, il y a quelqu'un qui s'est signalé. Alors ceux qui veulent prendre la rocade, rive droite, dans le sens intérieur, ça bouchonne dur, ça bouchonne sévère. Attention, Vega 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Billy 24 pour Dundee 33 qui t'appelle depuis la rocade de Bordeaux. Il m'entend pas. Alors lui, il est sur le département 24. Hein. Autant dire qu'il y a un bout de route. Oh là, il y a bien une bonne soixantaine de kilomètres. Hein. Oh oui. 60-65 même. Attention, Billy 24 pour Dundee 33 qui t'appelle depuis la Nationale 89. Ah, mais des bonnes amitiés, mon petit Rémi, comment vas-tu? Ça passe au fort, dis donc, là, depuis la 89. Ah, je suis dans la ligne droite, eh bien ça va, là, je retourne, je suis en train de retourner au QRA. c'était journée évasion aujourd'hui. Bon, j'avais quelques trucs à aller voir sur Mérignac, quelques trucs à m'occuper. Voilà, ça c'est fait. J'ai fait un petit détour voir un copain là sur Carbon Blanc. Ça c'est fait aussi. Maintenant je reviens. Dis ok, toi tu passes bien hein, puisque je t'ai un petit peu entendu là sur Carbon Blanc, après sur la rocade de Bordeaux. Mais bon, ça n'avait pas l'air de passer dans l'autre sens. Et comme je t'ai entendu dire, t'as un peu de QRM de ton côté. J'avais deux, trois points, c'est pas évident. Ok, oui, effectivement, même si je n'entends pas la propague, je vois que là, entre nous deux, il est bien. Ah, j'ai trois coups, j'ai compris. Gars. Tu m'as rien qu'un signal de 7-8, là, ici. Gars. Ouais, ça fonctionne bien. Oui, là, ça fonctionne bien. Oui, les amitiés à Emily, là, 73. Je te repasse le micro-prod. Ah, alors voilà. Ah, ok, bah, c'est merci.
c'est mes écoutes, ça passe fort, c'est pas au sujet, mais c'est un signal de 9, là, ça passe très très fort. Voilà, quel est ton PTH là? Ah oui, d'accord, c'est l'axe, l'axe Castillon-Montfort, d'accord, ok, moi, je suis souvenir de moi. C'est l'axe Castillon, c'est quoi la grande, voilà, c'est une sorte de parallèle, voilà, mais là, ça tourne très bien, ça tourne très fort. Voilà, ça tourne dans le collègue Dundee, là, mais il est encore loin, là, je pense, et il est sur la reprise sur, après Libourne, je pense, pas si longtemps. Bon, je vais repasser le micro là. C'est la direction d'où là bah, tout à l'heure tu vas sur Castillon là il est pas la communication ou tu peux t'éloigner sur le montant là. Voilà, je reviens sur Libourne. Je reviens sur Libourne. Ah d'accord, ok, tu vas sur Libourne. Mais c'est bon, vous allez vous croiser là avec, avec Rémi, là, l'ami d'Andy. Voilà, micro de retour, Rémi, je sais pas si c'est un barracuda, c'est un site là. Affirmatif! Hé, hey, Barracuda G36, achète-toi un vrai TX! Un TX Dub! Ouais, on se connaît là tous les deux. Il est sur mon forum. Ah, chie trois coups. Et puis on s'est eu ce matin en fréquence. Ah, chie. Donc, ok, ouais, effectivement, on va à un moment donné, de près ou de loin, de toute façon, on va se croiser. Puisque là, je suis entre la sortie 8 et la sortie 9. Donc, en direction de Libourne également. Hein. Bon, j'arrive à t'entendre quand même, moi, hein. C'est déjà pas mal. Ah, chier trois coups, hein, il m'entend pas. Attends, tu vas voir que... si je le croise, ça risque de lui faire bizarre. Il a son poste qui va se transformer en quelques minutes. Ah, je l'entends plus. Ah mais t'attends pas, voilà. Voilà ce que c'est que d'avoir un petit poste, c'est pas toujours évident. Hein. Bon, okay. On fait selon ses moyens. Ouais, en plus je la connais son installation. Je suis déjà monté dans son mille pattes. Ah, je suis trois coups. Ah, tu fais pas très bien, voilà. Ça, très fort. Bon, il est pas loin de moi, hein. Il est pas loin de chez moi. Là. Voilà, puis on est en fixe, moi. Plus que le mobile, voilà. Micro de retour, Barracuda. Putain, c'est vrai qu'il va se mettre ouais, ok, pour Castillon, je sais pas, si t'entends, Rémi. Ben, disons que ça va que j'ai pas de QRM, là je suis sur la rocade de Libourne et j'ai zéro QRM, heureusement encore. Hey, dis-lui que l'antenne, c'est pas sous le camion qu'il doit la mettre, mais sur le camion. T'as pas entendu. C'est bizarre parce que je vous reçois tous les deux, maintenant tous les deux à 9, je vous reçois là. Tous les deux à 9, je vous reçois là, il n'y a pas de soucis, ça passe très fort de l'un ou l'autre. Hein, voilà. Il te fait dire, Rémi te fait dire que l'antenne, il ne faut pas la mettre sur le camion, mais dessus. Hein. Ah bah désolé, moi je l'ai mise au niveau de la couchette, comme ça, elle risque de patrouiller, rien du tout, donc moi je l'ai mise au niveau de la couchette. Hein. Il n'y a que Rémi, ouais, il passe mal. Voilà. Il a dû mettre une petite antenne, tu sais,
zone de fleur, là, il y a des petites antennes, des petits cardos, ça, ça, ça passe bien, hein. C'est des bonnes antennes, Rémi. T'as vu, j'arrive dans la maison, si tu veux. Ah oui, les petites, comment c'est déjà, les micro 33, ou ouais, le micro 30, je ne sais plus exactement, oui, oui, qui était utilisé autrefois, là, pour ceux qui prenaient la CB comme arme anti-radar. Oui, oui, ben, c'est exactement ça que j'ai là-dessus, là. Ouais, mais tu vois, ça fonctionne bien, parce que je t'entends, bon, il n'y a pas de problème, mais en fait, dans la pêche, moi, ça va. J'arrive à te recevoir, tu vois, il n'y a pas de souci. Non, mais j'en ai monté une, moi, sur mon petit Furion Entreprise, là. Je m'en suis mobilé une, hein, une vieille certaine que j'ai coupée, là, qui était cassée. Oula, ah, merde, c'est volé. Et, ouais. Donc, voilà, non, mais là, vous devez pas tarder à vous entendre, c'est bizarre, hein, parce que là, ça passe fort tous les deux, hein. Micro de retour, là. Ah non, non, moi j'entends toujours pas, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais voilà, il a été faire des courses, hein, ce matin, il a fait un striker, et puis là du coup on n'entend plus rien. Ouais, non mais t'inquiète pas, je sais très bien que tu m'entends. Le branleur. Vas-y, essaie de me faire courir, essaie de me faire croire que tu m'entends pas. Oh putain, ce branleur, tu vas voir que... Là, quand je vais l'avoir sur le forum, je vais le voir péter de rire, oui. C'est pas fort, t'as quel niveau, toi, Rémi, là? T'es où, là? Ah, là, je suis toujours sur la rocade. Ah oui, il est... Barracuda 50, il est dans Castillon. Si c'est dans Castillon, effectivement, il a beaucoup de QRM. Ou alors, il me fait une blague comme je le pense. Parce qu'en plus de ça, il connaît le matériel. Il sait très bien dans les détails ce qu'il y a dans le bouche. Ouais, d'accord, non, mais il est dans Castillon aussi, il est dans Castillon, c'est pas bien. L'émission, peut-être, arrive toujours un peu à passer, mais la réception, c'est pas évident, entre les murs. Non, il est tout en route, il a franchi le contrôle. Voilà, non, mais il passe, ça passe fort. Là. Voilà, mais pour que je lui repasse le microphone, je sais pas s'il commence à te recevoir, mais bon, il va bien entendre. Ouais, je l'ai un peu entendu, là j'arrive au niveau de la garderie, là. Donc, c'est bon, je commence à sortir correctement, là. Ah, t'étais dans les QRM. Je croyais que tu me faisais une blague, mais non, t'étais dans les QRM. Hein. Et tu sais, tu devrais t'acheter un vrai poste civil. Il en existe, hein, c'est facile à trouver, je te montrerai à quoi ça ressemble. Et on peut faire plein de trucs avec ça, sauf le café. Mais quand tu parles, Dundee, approche-toi du micro, oh là là, on n'entend rien. Ouais, ben c'est bien ça. Ah, je suis trois coups. Bon, je vois que ça bâche, c'est beau. Oh putain, à propos de déconner. Alors là, j'en ai une bonne. J'en ai une excellente. Ce matin, j'avais quatre radios à ramener là, à la boîte. Hein. Donc, à l'agence, là, à Mérignac. Hein. Pas très loin de l'aéroport, ils sont. Hein. Dernièrement, ils m'ont filé une manette avec 4 radios dedans. Sur les 4, il y en a 3 dont les accus sont HS. Et là, bon, je leur explique ceci, cela. Je dis, bon, on n'a rien pu faire avec. Heureusement qu'on travaillait en binôme. Ce qui fait que, bon, du coup, on n'a pas eu besoin des radios. Et là, il ne me dit pas que pour que ça fonctionne dans l'émission, il faut qu'il y ait forcément une autre radio qui soit allumée en même temps. Sinon ça marche pas. Alors je lui dis, non mais attendez, c'est quoi je crois que vous trompez, pour faire ce genre de blague, vous trompez de personne. Et puis il était sérieux, le mec, en plus. Hein. Il me dit, non, pour que la radio fonctionne en émission, il faut forcément qu'il y en ait une autre qui soit allumée. Je dis non, j'attrape la radio, j'ai fait un coup d'essai, écoute ça, puis au quatrième, cinquième coup d'essai, paf, je vois la batterie vide, alors que c'est chargé à bloc. J'ai là, alors, c'est toujours la radio là qui. Il faut toujours une autre radio pour que ça fonctionne. J'ai dit, vous voyez bien que c'est la batterie qui est morte. Et il y en a 3 comme ça. J'ai dit, non, mais il y en a sans déconner, ça réfléchit pas beaucoup. Hein. Alors, quand ils vont écouter la vidéo, parce que là, je suis en train de faire une vidéo là en même temps,
Quand vous écoutez ça, je sens que je vais être pété de rire derrière si j'en entends parler. Parce que là, là je suis mort de rire là de mon côté en tout cas. Bah bien sûr, les accus, ça a une durée de vie, hein, voilà, hein, c'est compté au nombre de charges. Voilà, c'est comptabilisé au nombre de charges, donc voilà, il y a une durée de vie qui est programmée, ceci, cela. Donc forcément, à un moment donné, il faut penser à les changer, quoi. C'est, voilà, tout simplement. Mais le coup de me dire que pour qu'une radio, qu'un portable fonctionne à l'émission, il faut forcément qu'il y en ait une autre qui soit allumée à côté, mais si là, quand même, là, il y a du lourd. Hein. Là, il y a du lourd. Hein. C'est là qu'on dit chacun son métier, voilà, pour le coup. Ouais, mais ça, les gars, ils connaissent pas, voilà, et bon, je pense que le projet est foutu, ils savent pas le plus grand ça marche, donc dit, voilà, c'est tout, maintenant, et c'est vite. On vit un monde, c'est du jetable, quoi, donc, voilà, le problème, c'est là, c'est tout. Allez, je repasse le micro à Barracuda, là, comme vous devez vous rapprocher, là. Voilà, puis en même temps, les batteries rechargeables, faut les vider de temps en temps, quoi, pour qu'elles rechargent correctement. Ouais, mais bon, tu sais, quand c'est dans le cadre professionnel, surtout dans un boulot comme le mien, c'est le genre de truc qu'on peut pas faire, c'est pas possible. Il faut que ce soit toujours opérationnel et de suite. Donc, c'est vrai qu'il faut de temps en temps les décharger pour les recharger, mais c'est les décharger complètement pour les recharger, mais c'est un truc qu'on peut pas faire. Au fait, tu es où, la Barracuda? Parce que j'ai un truc allumé derrière, j'aurais intérêt à le couper avant que tu arrives sur moi. Là, tu vas me dire qu'il travaille, elle est tombée, quoi. Elle est bonne celle-là, tiens, prends dans les yeux. Mais non, je suis en balade, je suis en train de partir. Eh, hey, attends, je suis à 45 km/h, ah, ça y est, quand même. Non, mais là, j'ai la boîte de miroir en arrière qui est en marche, et si t'es trop près de moi, j'ai peur que ça le fasse pas trop, quoi. Ben moi c'est pareil, il va falloir que j'essaie de la radio, si on se croise, on sait jamais. Non mais juste ce que j'ai derrière, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Hein. Parce que là tu es à quel endroit là, Barracuda? Ben là j'arrive à toi le machin là, Saint-Pédarment. Bon ok, c'est bon, il y a encore de la marge. Là je suis entre Libourne et les Bigarou. Donc ça va encore. Ça va le faire encore. Ouais, toi, je viens juste de passer le panneau là. Ouais, d'accord, ok, c'est bon. Là, ouais, il n'y a pas de problème. Ok. Donc là pour l'instant, pour VI2-4, je peux le laisser allumer derrière. Oh, quoique, et lui, vu son antenne qu'il a, l'antenne qu'il a, lui, au QRA, la VI2-4. C'est une antenne onde entière avec bobinage à la base, donc fabrication maison. Alors je peux te dire que sur le toit de son QRA, parce qu'en plus l'antenne est montée sur une maison à étage, alors vu la longueur de l'antenne sur le toit, je peux te dire qu'il attrape tout. Hein. Ah bah tant mieux, comme ça il n'y a pas besoin de prendre pack. Ah bah ça, pour fonctionner, ça fonctionne bien. Hein. C'est une antenne fabrication OM onde entière qu'il a avec self bobinage à la base. Et donc oui, fabrication OM, et ça marche du feu de Dieu. Donc ouais, là je vais commencer à l'éteindre. Il y a du monde derrière. Ok, j'ai pas entendu de mon côté, tu m'entends toujours là, billet de 4, là je suis en 4, ouais, 4 watts, là j'ai pas plus. Oh, c'est toujours en 7, ouais, c'est à 7 pour moi, ça fonctionne bien, j'ai pas eu trop de différence là.
Pourtant, je... en local, tu m'étonnes, c'est à peine sensible, hein. C'est sûr. Hein. Mais bon, depuis Bordeaux, quoique je t'ai eu, j'ai laissé couler un petit peu sur la route, hein, mais vu la distance qu'il y avait tout à l'heure, il fallait ça quand même. Ah, oh, ben oui, c'est Bordeaux, ça c'est pas évident. Et moi j'ai des QRM, voilà, c'est le problème, tu vois, cette tiers là, j'ai un QRM de 3, alors ça m'arrange pas trop, là, voilà. Qu'est-ce qu'il a par là, là, comme microphone, là, parce que j'ai une bonne modulation, là, qu'est-ce que ça comme microphone et comment pareil? Ben l'appareil c'est un président Lincoln, première génération, et le microphone c'est un Roisteville, le rouge. Ah ouais, d'accord, c'est du, ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que c'est. D'accord, ouais, ça fait un petit peu dégueu ça, mais c'est des bons micros par contre, là, ouais, super. Ouais, tout le monde me dit que ça fait une bonne modulation, donc je vais garder celui-là, hein. Ah ouais, c'est de la statique ça. Ouais, affirme-moi, toi. Ah ouais, ça fonctionne bien, il y a un peu dégueu, mais ça fonctionne très bien, c'est clair et net, et ça percute, quoi. Voilà, bon, ok, je sais pas, j'attendais une station d'ailleurs qui sifflait, mais bon, personne s'est présenté. Allez, micro de retour, Rémi, là. Ok, ouais, surtout qu'en plus de ça, toi, Barracuda 56, qui a une voix un petit peu assez grave, un peu sourde même, c'est sûr. Et hey, c'est toi, l'ami de la cabine verte que je vois en face de moi. Jacques, on arrive ensemble au rond-point. Je suis sur ta gauche, voilà. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est fait. Ouais, non mais en plus de ça, vu la voix qu'il a, il lui faut impérativement un micro comme ça, hein. Alors je vois sur internet, il y en a qui me disent, ouais mais pour ce poste, quel micro il faut et tout. J'y mets tout ça, dépend de la voix qu'on a. C'est ça. Alors une voix grave, un peu sourde, il faut forcément un micro qui tape un peu plus dans les aigus. Et là c'est exactement le choix qu'il a fait Barracuda 56 et ça marche très bien, au contraire. Ça marche mieux que si c'était s'il avait un micro qui tapait trop grave. Je suis obligé de QRT les amis, là, j'ai mes employés qui les branchent. Je vous laisse les amitiés Rémi, amitié Barracuda, et puis content de vous avoir copié. Je vous laisse, à plus tard. Ok, 73 à plus. Ouais, 73. Oui, la station dans le lointain que j'ai entendu, 73-51 de Dundee 33, en mobile, en push, Barracuda 56 en 1000 pattes, et Billy 24 qui vient de, en fixe, qui vient de QRT à l'instant même. Ah, ça passe plus de mon côté, je sais pas si tu l'as entendu toi, Barracuda. Non, j'ai rien entendu moi, non. Voilà, t'as pris le micro trop vite, mais non, j'ai rien entendu. Ah, mais c'est qu'il doit être hyper loin, quoi. C'est passé vraiment. Hey, t'as qu'à avoir une vraie antenne aussi. Non, mais. Ah, c'est vrai que c'est passé très très QRP, hein, de mon côté. Hein. Ah, mais comme je disais tout à l'heure, moi, l'antenne, je l'ai mise dans la couchette. Donc celle qui est à l'extérieur, elle fonctionne pas, mais l'antenne avec laquelle que je module, moi, elle est dans la couchette. Tiens, tu me rappelles aussi, là, il y a quelques années, à 1000 pattes, là, sur, qui tourne toujours là, sur Bordeaux, et il a une paire d'antennes blanches sur ses rétros. Et j'ai discuté avec lui et tout ça. Il me dit, c'est pas celle-là dont je me sers, c'est l'autre qui est derrière la cabine. Alors je me suis dit, lui, il a tout compris. Quoi. Et il a une paire d'antennes hélicoïdales blanches. Fixé sur le rétro, donc c'est de la super antenne, et il utilise l'autre, la ML145 qui est plaquée derrière la cabine. J'ai halluciné. Ouais, mais il y en a beaucoup hein, qui font ça, mais c'est pour le fun quoi. Bon, ça sert à rien, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vie hein. Ils veulent faire comme les Américains, assis. Oui, mais qu'ils les branchent, qu'ils utilisent au moins celle-là, quoi. Et non pas l'autre qui est plaquée derrière. Je vois pas l'intérêt, quoi. Ils ont une paire d'antennes qui marche très bien en plus. Et justement, ces antennes hélicoïdales, ça marche nickel. Hein. Et en plus, vu ce que c'est comme antenne, c'est très peu sensible aux problèmes de masse et tout ça. Donc, c'est vraiment de la bonne antenne. Ils trouvent le moyen d'utiliser l'autre qui est plaqué derrière. Le mec, celui, il n'a pas la lumière à tous les étages. Ou il y a un truc qu'il n'a pas compris quelque part. Hein. Wow,
moi c'est pareil, j'en ai croisé un dans le centre entier à Poitiers là. Ça, c'est comme ceux qui viennent nous dire, justement, là, du côté des routiers aussi, ou même sur le même sur Facebook, c'est pareil, il y en a quelques-uns comme ça. Ah, mais de toute façon, il n'y a plus personne sur la CB. Plus personne n'utilise ça et tout ça. Et quand je leur demande ce qu'ils ont comme matériel, oh, ben, ça fait longtemps que j'ai plus rien. Je dis, ben, alors, j'en dis comme ça, mais comment faites-vous pour savoir qu'il n'y a plus personne? Et puis là, t'as un grand blanc. Et là, ils sont très très forts. Ah ouais, ouais, bah, y en a, c'est des champions, hein, qu'est-ce que je te dis, moi. Ouais, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, voilà, bon. C'est pas bien méchant. Tiens, je viens de sortir là de Saint-Pédarment. Je suis bientôt rendu à mon croisement là où. Ben, tiens, en venant, t'as vu tout à l'heure, là, il y avait un truc de bricolage, un truc comme ça, marchand de matériaux là. Pour toi, c'était sur ta droite. Et bien, c'est là que je tourne pour aller en direction de mon petit village. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, ben, il faudra m'inviter un jour, hein, pour un apéro, un chiffre. Le mec, il s'invite plus. Ah moi, il n'y a pas de problème. Surtout que y a un parking à côté, c'est le parking du cimetière. Il y a toujours de la place, là, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai entendu un roadshop bip, un multi-bip dans le lointain. Donc il n'y a pas de problème, hein. Tu seras évidemment le bienvenu au QRA. Comme ça tu pourras voir la station et tout ça, tac. Vu le nombre de verres qu'il y a à remplir, je pense pas que tu pourras repartir de suite. Hein. Voilà, de ce côté-là, il n'y a aucun risque, hein. Je prends pas d'alcool, donc il n'y a aucun risque. Hein. Ah zut. Bon ok, effectivement j'ai autre chose que de l'alcool aussi. Mais le reste, ça saoule pas trop. Ça va être compliqué pour te saouler là sur le coup. Ah ça c'est clair. Bon, t'as vu un peu le monde qu'il y avait ce matin, hein? Ah, ça fait plaisir quand même, hein? Ah ouais, ça fait. Ouais. Ça change. Mais remarque pas grand chose non plus, hein, parce qu'une fois j'étais chez une copine, elle arrêtait pas de parler, hein, je lui ai dit, hein, dis donc, toi il y a un tel truc, tu ne fais pas la peine de m'offrir la boire, hein. Elle me dit, bah pourquoi? Ah bah tu me saoules déjà, rien qu'en parole. Elle a dû être heureuse, elle a dû t'expliquer le reste. Par contre, je sais pas s'il y a quelqu'un derrière, mais j'entends rien. Non mais tout à l'heure, ok, c'est bon. Tout à l'heure, j'ai entendu un Roger Bip multi-bip. Là, c'était très, très QRP. Ben, tu pourras retrouver ça dans la vidéo. Je vais m'en occuper là en arrivant. Alors, je sais pas quelle longueur va faire celle-ci, mais je crois que là, ça va pas être mal aussi. Et même à Libourne, il y a des bouchons. J'y crois pas, quoi. Oui, sur les bouteilles. Ouais, les bouteilles, c'est bon. Je les ai déjà dans le camion, hein. C'est bon. J'ai juste chargé un complet de vin, donc c'est bon là. Oh putain, tiens, ça aussi, ça me rappelle une connerie une fois. Il y a un mec qui venait de charger là, son SMI, un camion étranger, en bouteille à 7 millions. Et bon, il commence à y prendre la route et tout. Il arrive au rond-point là, des Bigarous, là, en bas, là où tu es passé tout à l'heure. Le mec, il prend pas son virage un petit peu vite. Allez hop, tout le chargement écrasé par terre. Ah putain, autant dire ah zut, ah merde, comment ça s'appelle déjà le... Non, c'est pas viticulteur, je sais plus comment... zut, je sais plus quel nom. Bon bref, là où il a été chargé le vin, autant dire qu'ils ont pas été heureux du tout, là. Ah bah là, ça a dû coûter cher, là. Ah ben bien sûr, surtout que, bon, bien sûr, il y a les assurances qui sont là, ceci, cela, mais bon, n'empêche que c'était un semi complet qui partait pour l'étranger, quoi. De mémoire, d'après l'article que j'avais lu, je crois que c'était un camion qui partait aux États-Unis après, ensuite. Ben voilà, quoi.
Ah oui, bah là, il pouvait toujours attendre la marchandise. Hein. Parce que là, le temps de savoir si c'est la faute du chauffeur ou quoi, disons là, ouais, t'en as pour un mois. Un mois, même 3 mois pour avant que l'assurance marche. Hein. Ouais, enfin bon, de toute façon, un camion qui chavire sur un rond-point, c'est forcément la faute du chauffeur. T'as beau tourner ça dans tous les sens, ça sera forcément la faute du chauffeur. Hein. Même si le camion a été complètement chargé sur un côté et pas sur l'autre. Enfin, mal équilibré, je veux dire. Oh bah oui, c'est toujours la faute du chauffeur, pas toi. Hein. On le sait très bien. Hein. Oui, non, mais c'est con à dire, hein, mais c'est vrai que si le chauffeur ne surveille pas son chargement, de façon à ce que ce soit bien équilibré, ben voilà, il se fait baiser vite fait comme ça. Hein. Bah après, si ça part pour l'étranger, je pense que dans le fond, il aurait dû le sangler la marchandise. Ouais, mais je vais dire que... à quel niveau... je sais que c'était que la remorque était pleine, mais si tout était calé sur un côté... côté droit, parce que par rapport au rond-point, vu comment il a chaviré, si tout était calé davantage sur le côté droit plutôt qu'au centre, plutôt que bien équilibré, forcément ça ne le fait pas. Quoi. Bah après, ça peut suivre aussi de la remorque. Hein. Parce que nous, c'est pareil, quand je faisais du pendu, on a eu des collègues, c'est pareil, hein, arriver complet de pendu, arriver à un rond-point, la remorque par terre. Hein. Et ça, c'est de la remorque. Ah ouais, d'accord. Là, tu dois commencer à me perdre, j'imagine. Je suis pratiquement rendu là au QRA. Je suis là entre les maisons là, du village, là où je suis. Alors, attends, je suis en train de manœuvrer. Alors, attends que... voilà. Je vais rester là un petit peu, là, sur le... un petit peu en haut. Ok, oui, voilà. Donc là, je suis quasiment rendu au QRA. Je vais te laisser, Barracuda, continuer ta route. Les bus 113 se cotent à toi. Merci pour ce petit QSO.